大家好，我是马金虎。Bonjour à tous, je suis Martin Roux. Aujourd'hui, nous allons faire un dialogue sur les nationalités avec mon assistant qui s'appelle... 大家好，我叫殷元浩。Voilà, 殷元浩, son prénom est 元浩. Rappelez-vous la vidéo de la dernière fois sur les noms et prénoms. Il vous a donné en premier son nom de famille, 殷, et 元浩, c'est son prénom. On commence le dialogue qui s'appelle 我是中国人, je suis chinois. On commence. 你好吗？我很好，谢谢。你是中国人吗？我是中国人。你呢？我也是中国人。他呢？他是哪国人？他是法国人。Alors, au niveau de l'explication du texte, si je prends le dialogue et au niveau de sa traduction, puisqu'on verra après chaque nouveau mot dans des vidéos, bien sûr, seules, on verra mot par mot, bien sûr, ce dialogue. En gros, ça veut dire quoi ? Ni hao ma ? Comment vas-tu ? Wo heng hao, xie xie. Je vais très bien, merci. Ni shi zhongguo ren ma ? Est-ce que tu es chinois ? Wo shi zhongguo ren. Je suis chinois. Ni ne ? Et toi ? Wo ye shi zhongguo ren. Moi aussi, je suis chinois. Alors, bien sûr, comme on n'est pas deux chinois dans le dialogue, là j'ai répondu. Par rapport au dialogue, je suis aussi chinois, mais bien sûr, vous savez que je suis français. Normalement, j'aurais dû dire « 我是法国人». Mais là, c'est pour travailler le « yé ». On le reverra. Je vous renvoie vers une vidéo que j'ai faite sur « yé » et « yé bu ». Donc, pour mieux comprendre comment ça s'utilise et ce que ça veut dire. « Ta ne ». Et là, j'ai montré une autre personne pour dire « et lui ». Alors, selon le contexte, si on dit « ta », ça peut vouloir dire « et elle ». Ici, dans le dialogue, c'est avec la clé de l'homme, de l'être humain. Donc, ça veut dire « et lui ». Ta shi na guo ren. Quelle est sa nationalité ? Ta shi fa guo ren. Il est français. Voilà, je vous donne rendez-vous pour la suite des vidéos concernant le vocabulaire de ce texte sur les nationalités, les pays, on va voir un peu les continents et certaines villes. Xie xie, zai jian. À bientôt sur ma chaîne et n'oubliez pas de partager et de liker.